institution prestigieuse qui est la présidence, eh bien, il est levé avec un nouveau président, un nouveau coordonnateur, un nouveau patron, hein, officiellement. C'est l'architecte Leslie Voltaire. C'est lui-même qui représentait famille Lavalas en dans conseil présidentiel transition. Leslie Voltaire, c'est parce que j'en ai tout connu et hier, on a fait un bon tir à l'aise sous ça. Mandat Edgar Leblanc fils, ancien sénateur, ingénieur, lui-même l'irrivé dans Boutli. Bien sûr, au regard de décret 29 mai, qui vient pour fonctionnement conseil présidentiel transition, hein, au regard de résolution 28 mai également, qui parlait de majorité, qui parlait tout de présidence tournante. Leslie Voltaire, en guise de rappel, parce que gagné une résolution 4 octobre, qui lui-même modifié résolution 28 mai, hein, et qui hier, dans mi-temps journée, hein, publié dans le journal officiel du pays, le Moniteur. Hier, messieurs, depuis environ 2 heures de l'après-midi, comme prévu, comme annoncé, des corps ont été plantés au niveau du village d'accueil. Donc, il était quand même visible que d'après le gagné, il y a une cérémonie d'envergure dans la salle qui était préparée à cet effet. Toutes chaises étaient là, etc. Il y a des journalistes d'horizons divers qui étaient commencé à arriver. Tout conseiller, d'après le premier élément d'information de gain dans tranche le ça, tu dois répondre présent. Il l'aime dit tout conseiller. Hein? Deux présidents sortants, passant par l'autre membre votant, yo, juste arrivé dans membre non votant. Yo. Et bien, peu avant 3 heures, grosse nouvelle qui d'après arrivé dans un et moins, il dit ancien président, ou bien président sortant, ingénieur Edgar Leblanc fils, qui lui-même était dans le bureau, il était fait un bon parti dans la journée, en dans le village d'accueil là. Il dit Edgar garde en haut, garde en bas. Il passe dans le dépôt là, il range avec le chauffeur. Allez. Là, il fait route. Il crase Irak, il met devant la voie. Il dit fait prier au niveau du village d'accueil. Pas non, mais non. Et zone 3h45, yo, et c'est le ça, nous allons gagner des membres du gouvernement qui commençaient présents en la salle là. Tu gagnes tous des diplomates, des ambassadeurs, hormis ambassadeur pays la France là, ambassadeur pays États-Unis. Hein, qu'une patrouille, mais ambassadeur Canada est là. Il y a l'autre gros blanc chez Vessi ou Givet qui répond présent. Également, et l'ensemble des conseillers, sauf Edgar Leblanc, te vin prend place, sans ne pas oublier, partisans, et famille Lavalas, qui ont même te répond présent tout, que ce soit dehors, local village d'accueil là. Et même en dedans. Au passage, il faut signaler également la présence de Pachavor, gros baron famille Lavalas, et également la coordonnatrice générale. On a parlé là de docteur Maryse Narcisse. Donc, au pas de besoin de lunettes hier. Pas de parole, famille Lavalas, là, tout. Diogène. Tu es là, au pas de besoin. Lunettes hier pour te voir, Lavalas te représenté. Oui. Donc, c'est comme si ça que tu as fait là. Donc, Lavalas revendique-il. Mais faites Lavalassement. Lavalassement. Donc, c'est ton cérémonie Lavalassement. Parlant de Lavalas, monsieur. Gary Opi Grand. Ronald des Hommes. Est-ce que, parmi des, c'est Lavalas qui était toujours hier?
Paramedel? Eh. Paramedel, il m'écoute, il va bonne lague. La lague quoi? Paramedel, 100 000 litres, express partout. Bon, machin, oui. Oui, express partout. Oui, côté va la boule, là. Il y a un bol, lui-même. Il y a un bol. Vous bon, ouais, tellement, ouais. Son liquide. En moins d'un an, je changeais costume oui, plusieurs fois. Bon, en merde, peut-être c'est dans un niveau plus bas, mais c'est image typique qu'on va quitter les gros politiciens. Oui. Oui. Chaque nègre a voulu jouer dans un niveau plus bas. Je vais être assumé. On est en classe dans un boulot, tu vois. Il y a une classe. Ah oui, peut-être nous ouais pas mettre dans classe qui puis bah mais gagne qui gagne gros veste qui gagne gros cravate qui machine dans gros machine blindée. C'est à Bolocho endurci et deux. Ouais, ouais. Bah on se comprend. Pas garde pas mettre dans tête un groupe de yo papa. C'est comme si monsieur plus Laval que Aristide. Oui. Ah mais de montrer le plus c'est Laval. Non mais c'est pas dans le cabinet et Gilles était bon, c'est même pas même. Donc la bonne volonté penser pour petit Yuri parce que ça donc, c'est pas en forme même, moi je suis à l'hôpital hein. Ah bon? Hein, moi je suis à l'hôpital. Donc les amis petit Yuri font arriver où elle est parce que Yuri pas en forme du tout. Okay? Madame n'a pas pris les mêmes bon pas qui temps pas la veille, mais Yuri pas en forme. En tout cas. Donc bon établissement, Zamilio font arriver ouais Tio, oui parce que les pas bon du tout. Quand mon idée qu'on a bataille pour oui, 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 massa oui, boum, mais Tio a tellement en position fixe, ça fait des fois qu'on doit, la difficulté pour identifier à Lille. Oui. On a cherché manger à tout, qu'a créé des ennemis gratuitement. Ouais bon. Parce que quelqu'un qui tape du rond ça qui au bar mais mon ingrat, mais mon loyal. Bref, en tout cas c'est pas le moment pour nous blâmer. Ouais. Donc si Tio a besoin support, besoin de solidarité nous. Oui, que y balle. Mon qui compte parler avec Lio, mon qui a un bon rapport avec Lio, pas négliger penser avec lui. Pour nous retourner dans le vif du sujet, guerrier du seul, nous avons parlé de en pile Laval la sainte présent. Donc c'est la preuve que yo revendiqué. Ouais. Eh bien présidence c'est CBTA. À travers Leslie Voltaire, quand vous écrivez, mais m'a cherché, m'a regardé, est-ce que Jean-Bertrand Aristide Ba quelque part? Oui. Vous comprenez? Donc, il y a un monde qui dit, c'est mon Dieu, monsieur Titi Ba. Pas là. Pas là, tellement la valasse, t'es quand même représenté. Donc, c'est vraiment la valasse au pouvoir. Donc, si nous avons regardé configuration et villa d'accueil de deux jusqu'à Anda, hier et après-midi. Est-ce qu'il y avait. Ou bien est-ce qu'il y a eu passation au Nal des Hommes? Non. Pour qui ça nous dit non? Parce que Edgar Leblanc, fils comme président sortant, il était brillé par absence. Li. Mais ça n'a pas empêché que Leslie Voltaire lui-même était intronisé. Donc il prend reine CPTA officiellement hier. On essaie de regarder en substance qui sa intervention, architecte Voltaire était hier après-midi dans le cas de. Coute cérémonie ça, une cérémonie qui a duré environ une vingtaine de minutes. Il n'y a pas de parole longue. Il était juste allé droit au but. D'entrée de jeu, Leslie Voltaire, monsieur, et moun qui pas de chance de suivre, li salue mémoire. Moun qui victime d'un massacre qui fait au niveau de Ponsondia. Jeudi dernier, un drame qui quand même t'a causé la mort environ 70 chrétiens vivants compatriotes haïtiens. Donc d'après nouveau patron CBTA, c'est une horreur, c'est une brutalité inconcevable, pour le répéter. Mais on a rien qui t'a quand même attiré l'attention. Nous autres, nous t'attendons que Leslie Voltaire t'apprête à dire bon, yo même au niveau du CPTA, depuis 25 avril 2024, pour Yves Jodia, mais qui ça a réalisé, et mais qui ça a pris comme disposition pour continuer, etc. Mais, à mon grand étonnement, mon M. Voltaire, même j'en paquet de monde qui a suivi de loin tout, et m'a quoi le dégât, peuple a menti. Li pas caché insatisfaction parce que selon lui le conseil présidentiel et le gouvernement
jusqu'à minute n'a parlé là, c'est rancé à rancé. Bon, même qui ajouté rancé. Hein. Mm-hmm. Mais il dit le conseil présidentiel et le gouvernement yo pas arrivé jusqu'à minute n'a parlé là, fait la paix retourner dans pays là qui c'était quand même yon n'a plus gros priorité ou rien. Donc contrairement à prédécesseur li au niveau de CARICOM qui d'expliquer qu'il y a des efforts qui fait etc pour récupérer ensemble de bagages au niveau du centre-ville etc. Donc monsieur Voltaire lui-même li d'accord. OK, jodi a si bilan il y en a son bilan qui est pas satisfaisant. OK, parce que il dit yon n'a pi gros attente population an te gagné à savoir fait la paix retourner en dan pays a jusqu'à présent attente ça pour combler. Donc, est-ce que le décal dit le contraire? Parce que je dis à l'invisible, c'est mon travail qui fait à ce niveau, n'importe qui est, n'importe qui est, n'importe qui est, n'importe qui est. Vous comprenez? Est-ce que quelque part, tout le pape essayer de montrer tout, sous leadership et Edgar Leblanc Fista, pas rien qui fait, ou bien est-ce qu'il n'est pas en train de dire que pas de moyen pour parler de bilan? Maintenant, vous êtes capable de rejoindre Ronald des hommes qui te font point hier matin. Qui dit, certes, c'est Edgar Leblanc fils qui est coordonnateur ou bien qui est président, mais il est une structure collégiale. Donc, si il y a un échec, échec là à partager. Par contre, si vous comprenez Leslie Voltaire, je dis Leslie Voltaire, Ronald Desom. Si il y a un échec, échec là à partager, même gens, si il y a des choses positives qui sont faites, même gens, si il y a des efforts considérables qui sont consentis, donc c'est pas Edgar Leblanc fils seulement que tu as vu une crédit. Tu as parlé tout carrément du CPT. Par contre, oui, parce que donc, quel conseil. Que soit gêne que tu as fait pour montrer que Edgar Leblanc fils n'a pas de bilan ou bien pas de moyen pour le parler de ça le réaliser, de ça le faire, de ça lui-même lui gérer pendant le président. Yo pas qu'à faire parce que je dis ya échec Edgar, c'est échec conseil là. Parce que qu'on paquet de décision d'importance capitale, li clairement dit pour yo passer, c'est son base en majorité. Donc ça veut dire qui ça? De près comme de loin. Donc n'importe gens ou ta qualifié passage Edgar dans tête conseil présidentiel là, yo contribue là-dedans. Donc son discours pas qu'à autrement à savoir insatisfaction d'abord au pays, hein, mais également yo même par rapport à ça ou te gagne comme objectif, ça ou te gagne comme mission. Et j'en dis, il n'y a pas de cas d'IPI à le contraire. Tout. Bon, nous félicitons quand même, ils sont conscients que pendant pratiquement 5 à 6 mois, là, ces pantalons vont descendre. C'est bien quand même. Au moins, ils reconnaissent ça, ils ont plus ou moins fait montre d'une certaine honnêteté. Monsieur Voltaire expliquait que le travail là en pile et les font aveu, il dit que ils reconnaissent qu'ils ont des torts à réparer. C'est comme si M. Sous-Antan, qui a fait pile bêtise, il reconnaît ça. Qui a descendu le pantalon. Yo. Donc, c'est ça le relais. Énormément de torts à réparer. Et il expliquait que il est conscient au niveau du CPT qu'il y a des défis à relever, qu'il y a des obstacles à surmonter. Et il a dit qu'il n'est pas satisfait parce que jusqu'à présent, je ne sais pas si il a dit, il n'est pas arrivé à rétablir la sécurité pour la population. Hein. Et là, n'a pas répété propre parole architecte. On l'autre côté tout, architecte Voltaire montré apparemment, hein, apparemment que les conscients de problèmes qui gagnaient dans le cadre de cohabitation ou bien dans le cadre de relation, c'est une carrière comme ça, entre gouvernement et le CPT, ça qui mettait en grande difficulté pour capable attaquer phénomène insécurité à qui jusqu'à présent rete yon na principale mission transition à jeune sou dit là, eh bien li promet en parlant de monsieur Voltaire Ronald des hommes que pendant li même li pral diriger conseil présidentiel là sous sa présidence, eh bien le CPT pral gagner pour travail de concert n'a cité avec le gouvernement pour capable river contrecarrer phénomène insécurité. Il estime que il y a nécessité pour toute force vive dans le pays à river mettre main avec eux pour capable atteindre objectif comme ça. Leslie Voltaire pas
t'es caté aux possibilités, bon, disons pas raté occasion de préférence. On a des hommes pour l'été évoquer question dialogue, ok, qui doit permanent dans mitan yo comme chef, mais également dans mitan toute force vivante dans pays a. Li mande collègues li yo, li mande conseiller président pareil li yo, pour yo mettre de côté intérêt mesquin yo. Donc monsieur Voltaire on est de qui ça parler quand même. Mettez de côté intérêt ticoulout yo pour capable prioriser intérêt nation. Il dit dialogue la capable river faire éviter ensemble bagaille parmi yo des confusions, des malentendus, n'a cité des querelles de chapelle. Il dit nous devons blier intérêt et pas nous intérêt personnel nous dans l'idée pour nous capable prioriser intérêt national là. Donc c'est ça quand même représentant famille la Valassa lui-même lui t'es fait comme déclaration. Maintenant Edgar Leblanc fils appartient désormais au passé. Donc l'histoire a retenu que pendant première manche dans cadre présidence tournant dans le conseil présidentiel transition, Edgar Leblanc a fait 5 mois sorti 7 mai pour arriver 7 octobre 2024. Même levé matin monsieur, gain des questions qui pichent l'esprit. Moins gain comme d'habitude des préoccupations. Par exemple, jodi a première question nous t'a capable poser et probablement si nous gagne des éléments de réponse nous gagne des moins clairs qui avenir conseil présidentiel là en Haïti dans pays là qui avenir conseil présidentiel là est-ce que conseil présidentiel là guerrier du seul pour être capable Jean Leslie Voltaire dit dans intervention là réparer tout ça yo te gagné ou te fait comme toi comme bêtise. Est-ce que vous pral rattraper tant yo perdu dans gérer un bagaille pour gérer des bagailles qui pas forcément nécessaire pour la République. Est-ce que conseil présidentiel là pral racheter dans gérer population qui jusqu'à minute n'a parlé là parole de bon oeil. Et je dis a guerrier du seul Ronald des hommes si nous avons micro trop trois ou bien nous avons ouvert l'île là, nous demandons des auditeurs et internautes qui relaient et puis disent qui ça a pensé du conseil présidentiel là. Nous mettons ferme confiance, monsieur. Presque 4 personnes sur 5 abdou, crasé basa. Si nous avons exagéré. Donc ça veut dire qui ça? Ça veut dire, je dis à nous en face un conseil qui a un déficit de légitimité populaire. Nous en face au conseil présidentiel qui gagne un déficit de crédibilité. C'est vrai, dès le départ, il y a des gens qui te disent même pas de structure collégiale ça avec 9 présidents, 7 présidents, etc. Mais je dis, par rapport à tout ça qui passait dans le conseil là, par rapport à toute crise conseil là, par rapport à tout scandale okay, qui arrivait fait dans le conseil là, eh bien, appréciation, si appréciation il y en avait, eh bien, l'est considérablement diminué. Bon côté population hein, à l'égard du conseil présidentiel. Là. Donc, je dis, est-ce que conseil présidentiel là, il y a une capacité pour le rebondir, pour le remonter pat là? Ambassadeur américain pat là, ambassadeur de la France pat là, c'est vrai. Cependant, un peu plus tard, puis après la cérémonie, hein, il y a ambassade américaine dans Port-au-Prince qui lui-même t'a pral publié un message sur compte X sur compte Facebook yo pour yo saluer et bien nouvelle présidence nouveau leadership là et cetera pareil nouvelle coordination bien là ouais. Est-ce que tu as considéré ça comme une bénédiction de l'international pour conseil présidentiel là vous dit ah non impasse ou bien non situation côté gen moun ki gen doute soit venir conseil là comme les États-Unis ou bien la communauté internationale gon rôle yo jouer OK et non mettez pouvoir transition ça camper est-ce que le tweet ou bien le message si n'ga dit comme ça
et de l'ambassade américaine, li pa vinn renforcer ou bien li pa vinn renouveler soutien américain ou à conseil présidentiel là pour moun qui t'a dit ah conseil ça ka craser conseil ça pral craser ou bien conseil ça pa privé loin ou bien blanc pa nan conseil là ou bien depuis pa ka entendre blanc bis blanc date. Est-ce que ça ka considérer le comme on sorte de renouvellement de soutien à conseil présidentiel la structure transitionnelle ça. Peut-être il est encore tôt de tirer cette conclusion parce que on va parler quand même des Américains qui ont même toujours fait montre d'une certaine diplomatie dans tout ça y a fait comme approche dans tout ça y a dit par rapport avec Haïti etc. Donc ça qui arrive ouais yo mettez ça yo mettez à pour la consommation de l'opinion et parallèlement yo même yo gagné de l'autre agenda. Donc si n'a prend déclaration yo ou bien message yo au premier degré ou dans les hommes, est-ce que n'a dit avec message ça eh bien nèg conseil présidentiel le cara l'on souffre pour dire ah comme les Américains c'est eux qui étaient derrière nous comme eux même eux très impliqués dans pouvoir ça bon mais au tweet donc ça veut dire résolution 4 octobre là c'est est-ce que vous avez un temps à battre bravo pour ça peut-être ces prochains jours qui pral dire ça. L'autre question encore qui est important que nous avons posé nous connaissons en dans conseil présidentiel là tu toujours gagné des luttes et intestines on dit comme ça des batailles pour pouvoir parce que il est clair toutes neuf conseillers présidentiels, yo chaque intérêt par eux. Et c'est pas pour ça raison ça fait d'où Leslie Voltaire qu'on est de qui ça la parler que le ta sincère ou pas yeah. Au niveau du conseil présidentiel que le te membre qui gagne droit de vote yo que le te membre qui pas qu'à voter yo chaque gain agenda yo chaque gagne intérêt ou y a défendre et à un certain moment nous t'as capable demander nous est-ce que c'est pas parce que chaque grain conseiller dans conseil présidentiel là gagne intérêt mais ce qu'il y a de défendre ou bien propre agenda yo qui fait pas jamais qu'arriver en temps yo sur un série de bagaille qui vienne faire conseil présidentiel là te vienne à fonctionner apparemment dans l'ombre du chef du gouvernement au lieu d'accuser Edgar Leblanc fils comme quoi monsieur Patagien leadership ou bien monsieur t'a contribué dans affaibli conseil là devant la primature yo même yo t'a posé cette question ça tout est-ce que si yo t'est arrivé en temps yo autour d'un intérêt commun qui tape l'intérêt de la nation l'intérêt du peuple haïtien est-ce que yo t'est capable ouais tête yo comme ça par rapport au gouvernement qu'on est là on a dit ça je dis ya. Donc puisque il y a des batailles, on a plus fini en dedans et CPTA, chaque groupe, chaque nèg a battu, c'est eux-mêmes qui pour paraître, c'est eux-mêmes qui pour gagner contrôle tel bagaille, chaque jour vini ou toujours tant des gon désaccords, gon divergences etc. Donc est-ce que avec nouvelle présidence ça, nouvelle coordination ça, nouveau leadership ça, eh bien conseil là va gagner capacité pour gérer divergences ça à l'interne. Il y a une question à poser. Jodi a Edgar Leblanc fils clair guerrier du seul ou dans des hommes il prend distance li avec monsieur maintenant il reste à savoir est-ce que Edgar a démissionné ou pas mais ça c'est certain il pas signé résolution 4 octobre là pas fait passation il pas présent dans cérémonie voir pour la faire passation donc ça veut dire mais ça paraît beaucoup plus intéressant à souligner dans le cas d'Edgar c'est que ensemble de partis et de groupes politiques qui étaient entendu pour désigner le poids représenter en dedans conseil présidentiel là il aurait été quoi que Edgar Leblanc fils pas capable continuer à siéger voilà. Bon côté monsieur Sayo qui selon conseil pas conseil collectif de Javier eh bien est indexé dans rapport ULCCA donc il c'est des monde qui ont gros soupçon corruption sous deux donc il pas digne ne serait-ce que sous plan éthique et moral pour retenir dans le conseil là. Donc, il a demandé au représentant roi pour faire un retrait purement et simplement. Bon, ce que nous-mêmes nous avons partagé sans nous pouvoir communiquer 30 janvier, nous connaissons qui ça le tapier. Nous avons clairement dit si Edgar Leblanc, fils, voulait être cohérent, effectivement. Donc, si vous ne pouvez pas le chita à côté vol, vous ne pouvez pas le chita à côté corrompu, vous ne pouvez pas le chita à côté nègre qui gagne dans la cité dans mauvaise affaire, pas signer là, c'est intéressant. Pas présent dans la cérémonie, toujours de la cohérence, mais qu'on y a là. Est-ce que dans le jour qui vient là, puisque les Leslie Voltaire fait appel
à un dialogue d'abord dans mitan yo et dans mitan force vive nation hein, pour aller gain possibilité pour jouer une conciliation s'il voulez entre Edgar et l'autre conseiller dont les trois conseillers indexés dans l'affaire BNC. Dans le sens que vous allez gagner pour Chita pour discuter autour d'un ensemble de grandes décisions qui concernaient la République et pourquoi pas même arriver voter, quelle que soit orientation. Edgar Leblanc fils Takabay, on vote li, nan on séance donnée. Mais toujours est-il, il est capable de paraître incohérent parce que trois conseillers présidentiels yo à plat. Jusqu'à preuve du contraire. Par contre, vous comprenez. Et collectif 30 janvier à clair, guerrier de jeunes, par contre, vous avez communiqué. Collectif 30 janvier à clair, je me rappelle la République qui ça, collectif ça, lui-même l'a dit, et n'a souligné ce collectif ça même, qui te voyé Edgar Leblanc en dedans, conseil et présidentiel transition, je même yo dit, représentant Yoa, pas deux chita ou pas deux continue à siéger là guerrier de Zelan essayer garder dans notre de presse ça rend public et hier 7 octobre là collectif parti politique 30 janvier yo yo dit c'est avec gros saisissement gros stupéfaction et bien et yo apprend après publication 2 octobre 2024 rapport ULCC a qui vient pour un scandale corruption qui impliquait trois conseillers présidents Conseil présidentiel transition CPT, eh bien, tu es sous route là pour organiser, peut-être avant la cérémonie, tu parlé comme ça, lundi 7 octobre, il y a une cérémonie de passation de pouvoir sous base une résolution qui peut être date vendredi 4 octobre 2024, qui peut être signature conseiller président qui indexé dans le rapport ça. Collectif parti politique 30 janvier, il a protesté, n'a pas cité énergiquement, contre ça où il est tentative désespérée. Pour réhabiliter des intouchables et yo informer public en général, partisans yo, sympathisants yo en particulier, eh bien yo prend des dispositions et pour capable faire suite de fait et de droit. Collectif la dit, il était fermement attaché à proposition initiale l'IA qui s'est mise à l'écart, avait dit mettez sous côté conseiller président qui indexé dans scandale. Corruption en attendant une décision justice. Collectif l'a dit, il prend décision pour lui rappeler au représentant là en dans CPTA, et de fait, il rappeler sénateur Edgar Leblanc fils pour sortir col en dans conseil présidentiel transition. Deuxième point, collectif l'a dit, il prend engager immédiatement des consultations avec les forces vives du pays et également partie prenante signataire accord 3 avril 2024 là dans l'idée pour déterminer une formule de gouvernance n'a cité qui stable responsable et qui susceptible pour garantir succès processus transition dans contenu li ak nan durée li. Troisième point que yo prononcé au souligne je dis après massacre et paisible citoyen yo qui perpétré dans Ponsondé par les gangs de l'Artibonite, semaine qui se passe là, face à menaces de même nature qui pesaient sous des communes en dans département l'Ouest là, collectif l'a dit l'inviter population hein, pour mobiliser, pour capable supporter intervention force publique légalement reconnue et puis pour gagner bataille là contre insécurité généralisée. Hein. Et pour finir, collectif l'a dit non à la corruption institutionnalisée. Le fait que, selon ça nous comprenne, eh bien, résolution, ça décide Kembe. Attendez bien, oui? Kembe. Monsieur, alors, tu as deux ans, tu es doué dans la présidence de la UE4, sous base rapport, eh bien, collectif a parlé de, entre guillemets, de la corruption institutionnalisée. Donc, il dit non à la corruption institutionnalisée, et ça, les manœuvres politiciennes de membres CPTA, des éléments qui ont même. Et, ou bien des conseillers présidents qui ont même fait peu de cas de souffrance population hein, et des échéances incontournables de la période de transition. Donc voilà pour le collectif ou bien la note de presse du collectif des partis politiques du 30 janvier qui voyait Edgar Leblanc fils en dans CVTA. Il y a une question. Qui sa réaction ou bien position Edgar Leblanc fils? Parce qu'il y a le collectif. Mais il y a aussi Edgar Leblanc fils. Comprenez bien? Et il y a aussi l'équipe politique de Edgar Leblanc fils.
C'est OPL. OPL. Donc, sûrement après notre ça, il y aura le concerté. Maintenant, qui ça? Concertation, il y aura le bail comme résultat. Est-ce que l'équipe politique est de galère au fin de chita, au fin de temps, il y aura le marché dans la logique collectif là? Côté Edgar, juste retirer le col purement et simplement liquider CPTA pour monsieur, dame qui signait résolution 4 octobre là? Ou bien, il y a de l'autre calcul politique qui a fait qui a permettre que Edgar arrête continuer à siéger en dans CPTA, probablement avec de l'autre approche, etc. Donc, c'est autant de questions. Maintenant, ce n'est pas nous qui va dire ça qui va le passer, c'est Edgar avec l'équipe, avec le collectif là qu'on est. Mais jusqu'à présent, le collectif là a dit attaché à la décision. Il dit comme ça que, faut que tu mettes monsieur Odeur à l'écart. Bon, sauf que le bas dit c'est provisoirement ou bien définitivement, mais l'entendez en attendant une décision du CISA, nous comprenons c'est provisoirement. Mais provisoirement, vous voulez dire ça. Est-ce que n'est pas participé à la décision, mais à toucher? Par contre, vous comprenez, il faut clair. Provisoirement, définitivement. Définitivement, il est clair. Avec vous mettez Odeur, pas rien. Mais provisoirement. Vous voulez dire qu'il y a toujours été là, il y a bien petit frère, il y a bien petit l'âge, mais il n'y a pas participé à aucune grande décision qu'il prend. Et ça nous suppose comme il n'est pas clair. Bref, ça c'est pour le collectif. Maintenant, l'autre question, pendant qu'on a parlé de conseiller qui indexé, on a des hommes. Quid qu'on y a là de conseiller qui vient nous citer dans le rapport ULCCA qui vient pour ABNCA? Est-ce que ça crivé hier là, c'est Monique Fett, Leslie Voltaire, nouveau président? Li ka permettre que conseiller président qui est indexé au Ragon souffle. On dit bon, il y a trop de chaises sous nous là, Edgar parle encore, le nouveau président, nous allons recommencer, donc il y a oublié nous dans l'opinion. Est-ce qu'il y a eu comme ça? Ou bien, est-ce que Leslie Voltaire pourrait adopter comportement l'homme au pouvoir n'est pas l'homme. L'homme aux abords du pouvoir. Qui ça me veut expliquer? L'homme aux abords du pouvoir n'est pas l'homme au pouvoir. Qui ça me veut expliquer par là où on a les hommes? Probablement, les résolutions qu'on a signées pour dire, monsieur, nous mettre tête frais, il y avait écarté nous de la présidence tournante, mais la priorité, comme conseiller président à part entière, est-ce que pendant monsieur Vinchef là tout, par une autre approche, il va dire, bon monsieur, et bien moi que chef qu'on y a là, et mais qui s'approche, mon cher, et mais qui s'en a décidé, n'a pas obligé de mettre nous dehors. Autrement dit, est-ce que quelqu'un qui signe une résolution qui s'insère dans des matchs là? Je parle des nègres dans le couloir Saint-Cyr. Je parle des nègres dans le coup Fritz Alphonse Jean. Ok? Je parle des nègres dans le coup. Qui est-ce qui n'est pas impliqué? Non, bah là, laisse les signer, c'est Edgar qui n'a pas signé. Ah, mais c'est Edgar, Edgar Bassin, nous n'avons pas besoin de compter sur Edgar. André Leslie Voltaire, qui est le nouveau président, Fritz Alphonse Jean, Laurent Saint-Cyr, yo toi. On y a peut-être deux observateurs. Frinel Joseph et puis Madame Regina Abraham. Est-ce que tout sincère, vrai? L'homme dit sincère, il est d'accord effectivement pour écarter la gueule de la présidence tournante, mais il faut qu'il ait été dans le conseil là. Ou bien est-ce qu'il n'y a pas un calcul? Il dit comme résolution à permettre que nous débarrassions de Edgar. Donc, toute notre bagaille n'a bien pour nous pencher sous lui ou bien pour nous pencher sur lui, c'est les Leslie Voltaire fin président. Donc, d'où la nécessité de se poser cette question. Les conseillers présidents indexés dans l'affaire BNC sont-ils à l'abri? Est-ce qu'il y a déjà crié victoire? Vous dites, bon, nous passons cap ça, bon, nous n'avons pas le président ça, nous n'avons pas l'argent du beurre et le beurre à la fois. Donc, comme nous n'avons pas le président, mais nous avons toujours été conseillers, il n'y a rien à perdre parce que job conseiller, c'est pour la porter en plus. Sinon, que le projet que tu as sur vous, c'est où tu as 10, c'est où tu as date, etc. Bref, je ne vais pas ajouter un barrage dans les hommes. Alors, je ne vais pas répondre pour conseiller, même juste garder, par exemple, position que vous exprimez et après que Leslie Voltaire et même les films prennent Mariette là dans le cadre de la question présidence tournante là. Par exemple, nous les positions que Smith Augustin. Il y en a un monde qui indexé dans le rapport ULCC1. Monsieur dit que ensemble, nous allons travailler pour en fait, surmonter les obstacles par le biais d'un vrai leadership collégial. Vous comprenez? Par le biais d'un vrai leadership collégial, c'est un devoir patriotique auquel nous ne pouvons faillir. La transition doit réussir. Nous mettrons tout en œuvre pour ne pas décevoir le peuple
et tous ceux qui nous font confiance, la justice triomphera. Ça, c'est Smith Augustin qui a parlé. Louis-Gérald Gilles de l'accord du 21 décembre, je salue l'installation d'un homme de grande culture et de grande sagesse patriotique. Louis-Gérald Gilles dit que Leslie Voltaire incarne une figure clé sur laquelle le Conseil peut s'appuyer pour conduire Haïti vers la réconciliation tant avec elle-même qu'avec le reste du monde. Notre histoire commune avec d'autres grandes nations sera privilégiée au discours, attendez-vous, belliqueux, vain et improductif. C'est ça que Louis-Gérald Gilles lui-même lui écrit. Bon, discours belliqueux, vain et improductif, là, je suppose que c'est discours lié. C'est vous, elle a discours, les gars. Bon, je suppose que c'est discours lié. Parce que dès que vous êtes sacrifié dans un moment, vous attendez que le blanc tape juste, vienne présenter bilan. Yeah. Et ça vous dit, vous êtes espéré, vous êtes attendu. Que M. Leblanc a vint là, il dit bon, de 7 mai à 7 octobre, il a dirigé le conseil présidentiel là, mais qui ça le fait, yeah. Qui peut Mac Fabric qui emprunte lui. Mm-hmm. Et dans ce sens, on n'a pas de productif. Mm-hmm. Okay. Mais pas lui, il me dit bon, élément de réponse. Il me dit comme ça, c'est pas Edgar Leblanc, fils, non, tu as assuré la présidence. Oui. C'est le CPT. Yeah. Et d'ailleurs, dès la mise en place de la structure, nous t'ai clairement dit que toute décision à prendre, par consensus ou bien par majorité conseil là, qui c'est 5 sur 7. Mm-hmm. Donc ça veut dire, pour moi, prendre ça me dit à l'heure, l'échec d'Edgar, c'est l'échec du conseil présidentiel. Mm-hmm. Alors, monsieur, vous avez le conseil, non? Comme c'est son leadership que Edgar n'a pas gagné, mm-hmm. Edgar a joué l'autre jouet. Pendant que vous-même, vous avez le leadership collégial là, primé, d'ailleurs, Smith Augustin a pris d'opposition par la Ligue. Il parle de ça. Ouais. Il dit que pas de gain, yon vrai leadership collégial là-dedans, parce que Edgar Leblanc peut-être pas vite. Mais sous suivre tout déroulement, tout discours, toute prise de position, yo, mm-hmm. ouais, pour que, et Gombif, Edgar Leblanc, c'est pété. Non, on a dit ça. Tu comprends? Gombif, Edgar Leblanc, c'est pété. Et c'est comme si m'da hadou que, ça fait CPT, il n'y a pas de cas marché, selon monsieur, c'est Edgar. Edgar va là, il va marcher. Et comme Edgar va là, on y a là, il y a un vrai leadership collégial, il y a un homme de grande sagesse et de grande culture patriotique. Il y a pas de Leslie Voltaire, etc. Okay. Okay. On n'est qui pas pour prioriser discours belliqueux. La va là, sûrement. Est-ce que vous comprenez? Au détriment de l'intérêt national, etc. Donc, vous avez comme impression. Alors, soit regardez-la avec des yeux naïfs, je vais dire comme ça, que mon cher conseil, là, pour le travail. Parce que tout le monde qui va t'adresser, c'est parce que tu as un monde qui ne peut pas assurer le leadership collégial là, que tu as pris les affaires pâles, qui est plus à l'innocence, à la bataille avec étrangers, à la bataille avec les nationaux. Est-ce que vous comprenez? Mm-hmm. Parce que si vous suivez Louis-Gérald Gilles, il dit que nous allons réconcilier les nations avec lui-même et avec les partenaires étrangers. Est-ce que vous comprenez? Donc ça veut dire que tu es un nègre qui t'a simé en sorte de zizanie tant au niveau interne qu'international. Donc, il va aller gérer ça. Mm-hmm. Maintenant, bah, nous regardons Vertilaire, non? Parce que Vertilaire est très intéressant. On a noté que Vertilaire, à travers Avocal, mm-hmm. pour une requête là, et vous avez un paquet sur le rapport ULCC. Exact. Une requête de 13 pages. Exact. Avocal, c'est Maître Guerre Biblès. On a bien pour notre tonation. Je dis que, convaincu que Voltaire saura insuffler une dynamique positive et pérenne au sein du CPT. Il y a volé changer la mer. Il dit que. Il y a des propos élogieux. Et d'être qu'à mourir là. Non, mais. Parce que t'es autant de haine dans le CPT. Hein. Non, mais c'est sérieux. Je vais vous dire que j'ai plus de goût à l'équipe. Est-ce que c'est pas quelques deals qui mal passé tout? Quelques deals qui mal passé? Là, je me dis qu'il y a un deal qui mal passé. Entre les gars avec les gens qui ne sont pas forcément les gars, probablement qu'il y a des gens qui doivent demander des gars faits. Edgar doit avoir une raison pâle. Il n'a pas de faire. Ou bien Edgar doit avoir une affaire pâle. Il demande un retour. Il n'a pas de mesure. Et puis ça finit comme ça.
laissez dire ou bien laissez négociation. Si négociation était abouti, probablement la République était déjà. T'es gagné droit pas même qu'on est. Ça que t'as concocté, ça que t'as préparé dans la cuisine. On avance. J'exprime ainsi ma confiance en la capacité du nouveau président du Conseil à guider le pays de concert avec les conseillers présidents vers des horizons prometteurs et à relever les défis avec discernement, intégrité et sens du devoir. Il avait écrit ça sur Twitter. Ouais. Okay. Ça veut dire que... Donc moi, c'est le meilleur conseil côté Kabaye Edgar. Tu es balé là. Tu pas de place maintenant. Maintenant, moi-même, et on te pose une question tout à l'heure à Johnny. On te dit que qui a venu en conseil présidentiel là. Bon, moi-même, je t'ai mis des questions dans l'autre niveau. Encore, je t'ai dit, bon, qui a venu en pays à travers gouvernance, ça, à travers tournant, ça, à travers carrefour ça. Comme dans le discours de Leslie Voltaire, là, sur le souligné, il est conscient que le problème est en pile, obstacle pour relever est en pile. Comme je dis, la harmonie qui n'a pas de gagné pour que bagay ça a été adressé, n'a parlé de questions problèmes, harmonisation, CPT gouvernement, n'a parlé de problèmes insécurité qui n'a pas qu'à résoudre, n'a parlé de paquet l'autre problème qui gagne, Saint-Domingue qui vient entrer dans la question là, etc. Comme je dis, il y a l'autre leadership collégial, bon, harmonisation, pas gagné lutte intestine supposé pral gagne dans CPT. Hein? Maintenant, moi-même, d'ailleurs, mais on est question paysan, comment vous pouvez l'aborder, véritablement. Je vais noter pour dans 21 mois, je suis sur route là pour perdre 7 mois là-dedans, 6 à 7 mois. Yeah. Je vais faire un sérieux. Et il faut le reconnaître dans le discours. Maintenant, nous avons dit hier que l'initiative là, est partie pour que le provoquer une nouvelle crise. Et position exprimée par collectif 30 janvier, il a montré que Barala, papral comme si m'da razo coulé ou bien roulé comme sur des roulettes pour se péter. OK? Parce que c'est sûr que tout le monde qui gagne, ouais, secteur gagne et représenté dans se péter, notamment à travers trois messieurs qui indiquent rapport ULCC sorti qui dit oui, monsieur, ça a fait ceci, oui, monsieur, ça a fait cela, il y a une position qui aura l'exprimer tout. Et donc, la semaine a fini là, nous attendons mon accord 21 décembre, nous attendons mon Montana, nous attendons mon EDO. Bien sûr, bien sûr. Maintenant, gouvernance qu'on a pour le pays, comment la bralier? Moi, je souhaitais que l'harmonisation prenne le résultat. Je souhaitais ça. Parce que si on va une bac à fond, on va rater face à ça. Nous souhaitons pour rater là, oui. Et nous souhaitons pour rater. Si on a des chances, par rapport avec le grand chantier qui est dedans, feuille de route transition. Nous sommes pour nous rater là. Parce que si nous avons dit, dans 6 à 7 mois, il y a pile de bagages qui ont été faites. Pour ne pas même aller dans la réalisation qui est pour avec le chantier ou dit prioritaire, non. Même dans mettre campé ou mettre sous place, on sait que l'organe qui est important pour la transition, nous devons être finis à ça. Par exemple, le conseil électoral provisoire qui n'en est pas jusqu'à présent. Par exemple, l'organe de contrôle de l'action gouvernementale que nous avons décidé de pas mettre. Par exemple, nous avons mis deux commissions là, m'tende pour réforme, pour vérité. Bon, c'est des commissions depuis l'air, monté, déjà un gros problème avec vous, avec la qualité de l'air. Ouais. Surtout, commission pour la vérité. Donc, ça veut dire, dans 6 à 7 mois, ça là, donc nous presque raté l'échéance là. Et le fait que nous raté l'échéance ça, il n'y a pas sans conséquence sur la transition. Et c'est ça qui fait, même si tu as gagné tout problème avec Edgar, n'importe ça qui vient créer comme instabilité là, il prend le débouché directement sous prolongement de la transition. Parce qu'à la fin de la journée, soit le 7 février 2026, il a pris compte qu'il n'a pas délivré marchandise là. C'est discussion pour le fait qu'on a pour connaître qui l'autre équipe qui peut le gérer en un an, en deux ans de transition encore. Et c'est direction ça, on prend là. Et ça fait à l'homme de poser question pour me dire est-ce que CPT a des capacités pour rattraper dans ça? Est-ce que CPT a des capacités pour gérer la crise ou bien à l'interne? Qui pourrait permettre que y ait une capacité qu'on y a là-bas côté gouvernement pour gérer vrai problème yo. Mais j'en avais expliqué, j'en avais essayé de comprendre tout ça qui pourrait passer, tout ça capacité là. Nous plus on sait peut-être pas gérer des crises à l'interne que qu'on y a là où t'as penché sur vrai problème pays. Donc nous passer là pour des mois à perdre du tout. Marrant ce que non seulement des crises à l'interne, même j'ai l'impression tout capable. Alors à mon moins parler dit que Voltaire c'est pas un monde qui conflictuel.
mais j'ai apmeté CPTA avec Primature, c'est face à face, vous voyez, ok? C'est donc où Edgar, pas tout le monde qui est agressif, il a accepté d'être blessé dans Gary Conny. Donc, j'ai l'impression, avec Voltaire, c'est qu'un coup, Mounio, c'est deux quoi qui parlent dans la bataille. Yeah. Donc, ça, nous pas t'a souhaité. Mais c'est okay. Japonais. Ça l'avait donné bien dû. Pas ça, nous t'a souhaité, mais ça t'avait donné, c'est moi, pendant Voltaire président là, il n'a pas entendu avec CVTA pour demander un remaniement ministériel. Bon, qui ça capable de ça parlé des ministres en communiste avec étrangère. Ça parce que moi-même, je parle de mon proche Voltaire. Par contre, si pas dans le président, c'est une capacité pour le placer au-dessus de la vélée. Mais c'est ça, m'a dit, il n'a pas pardonné sacrifier Voltaire dans les Nations Unies. Donc, est-ce que Voltaire lui-même pourra le transcender, etc., ou pourra le transiger, tout ça, nous va connaître. Bon, bon. Même tout, il n'a pas pardonné. Il n'a pas pardonné ministre Dupuis, il n'a pas pardonné gouvernement Sacté-Rivière Voltaire dans les pouvoirs. Donc, dans nos esprits, il y a gardé des deux côtés qui Sacté doit fait, qui pas fait, ouais, ni bon côté Primature, ni bon côté CPT à tout. Puisque Pabli pour aller représenter ou le chef de délégation, c'était Edgar Leblanc. Yeah. Ok? Donc, on est arrivé Voltaire pour aller comme chef de délégation. Donc, pas quoi que c'était. Parce que c'est pas je viens de dire c'est pas Caribé nous avons l'activité à faire c'est pas Montana donc c'est dans les Nations Unies donc bon planification faite pendant un bon bout de temps donc si nous mêmes dans gestion nous fait que dans des ordres donc oui nous passer l'aide donc on y a fait regarder des deux côtés qui est-ce qui était pêché. Donc, pour nous parler, couper tête pour sans raison. Alors, tout à l'heure, Johnny, pendant que tu as parlé de. Ou tu as fait. M'a dit, pendant ce moment-là, tu es capable de tenter des réactions de l'autre groupe, de l'autre secteur. Nous, M. André Michel, tu es déjà parlé. Hein? Non, on a parlé de l'accord 21 décembre. OK? Dans le tweet, il fait. Je t'ai dit que le fait que ont accepté ou retiré. Quand il y a une présidence tournante dans le conseil présidentiel transition, Louis Gérald Gilles et Smith Augustin reconnaître qu'ils sont coupables de corruption. Ça a indiqué dans la conclusion du rapport ULCCA, qui donc, ils n'ont pas qu'à continuer chita dans le CPTA. Trois conseillers, ça y est, doivent quitter le CPTA plus vite possible. Ça a pour eux la crédibilité tout le processus-là. Accord 21 décembre, nous avons invité différents acteurs dans la transition pour agir pour protéger l'intégrité du processus là, selon l'esprit consensus Jamaïque là, 11 mars 2024. Ça, c'est M. André Michel qui lui-même fait partie de l'accord 21 décembre. Pas étonné au tout, guerrier de seul, si M. aurait été là paisiblement, il arrivait pas, sorti comme si au vivant, ça que tu es là. Nous avons déjà des gens qui étaient très impliqués dans la mise en place de CPTA, qui a constitué une nouvelle opposition. Opposition. Ouais. Et de vous dire opposition, ou dit abat, ou dit vivre, ou dit instabilité politique. Ouais. De vous dire instabilité politique, c'est certain, tout problème nous avons là loin pour jouer une solution. Solution. Nous avons fini guerrier pour nous dire que Leslie Voltaire, qui est architecte, qui est représentant de la famille Lavalas, prend reine CPTA dans un contexte particulièrement difficile. Dans le contexte côté population, on pas fait CPTA, confiance encore. Si on te fait confiance déjà. Leslie Voltaire prend CPTA dans le contexte côté tu as gagné des tensions entre eux d'abord, même si tension pas palpable, entre eux, ça n'est les luttes intestines, mais entre organes transitionnels et Primature. Leslie Voltaire prend ren CPTA dans le contexte. Côté gros scandale qui mettait CPTA dans ti souliel. N'a pas parlé scandale de corruption qui vient courir avec affaire BNCR. Maintenant, la question pour finir, est-ce que Leslie Voltaire avec tout reste CPTA pour avoir une capacité pour prendre toutes les dispositions, les vraies dispositions pour arriver à redorer blason CPTA, même si il va gagner confiance population dans son ensemble, mais au moins avant faire population en douter, vous dites, est-ce qu'on est obligé de railler? Est-ce qu'on est obligé de battre un titan? Etc.
nous-mêmes nous doutons très fort par rapport à tout ça nous qui va venir là dans les prochains jours. Mais cependant, on l'espère bien. Parce que nous autres, nous pas pour tension, nous pas pour problème, nous pas pour crise là. Parce que plus il y a tension, plus il y a crise, c'est plus pays à plonger dans le trou. C'est plus bandits ou à pied à l'aise, c'est plus moun ka moui, c'est plus kidnapping ka retourné, c'est plus grand goût à kavin pi mal. Faut parler de grand goût à semaine ça. C'est plus nous voilà en difficulté, d'autant que je dis à nous, nos situations côté, nous devons préparer pour nous accueillir presque chaque semaine 10 000 et plus compatriotes qui ont sorti en République Dominicaine. Sans côté panique qui gagne la caille Tonton Sam avec les gens qui n'ont pas régularisé le statut dans Biden qui est sujet à déportation ou bien à retourner dans le pays à partir de janvier Gabvin. Donc autant de scénarios, autant de réalités nous devons attendre avec. Est-ce que nous parlons pour ça? C'est la grande question. Oui, bonjour monsieur, et m'a toi annoncer mon demain matin guerrier. Et c'est vous directeur information nous entendons sur ça déjà. Yes. N'a consacré temps à situation compatriotes nous qui en République Dominicaine. N'a pas chercher connait qui ça va aller, nous a parlé avec des amis qui vivent l'autre bois et n'a parlé avec des spécialistes également, des experts qui ont même et c'est des connaisseurs dans question relation haïtiano dominicaine. Oui, bonjour monsieur. Oh, bonjour Johnny, oh, bonjour Ronald, nous rester dans l'actualité qui c'est en tout cas passation en tout cas installation l'esprit Voltaire hier dans Villa d'accueil comme nouveau président conseil présidentiel transition Jean Notedil notre site Leslie Voltaire qui est même représenté famille Laralas dans conseil présidentiel là. Cérémonie qui déroulée hier en présence membre gouvernement chef quelques membres corps diplomatique là qui a tout membre conseil là excepté Edgar Leblanc fils qui est même pas présent plusieurs dirigeants famille Laval sont présents dans cérémonie Leslie Voltaire qui dit les aggraves ses déclarations li fait pendant le reconnaître co-responsabilité les gagnants pour diriger conseil présidentiel transition dans un moment si difficile. On a le côté yon boutenan discours président Leslie Voltaire, c'était hier. Chers compatriotes, au moment d'assumer l'immense responsabilité de présider le conseil présidentiel de la transition, je vous invite tous à prendre la mesure exacte de la situation dans laquelle le pays s'est enlisé. Et je ne peux m'empêcher d'avoir une pensée spéciale pour ceux qui souffrent dans leur chair et leur esprit des affres de l'insécurité. En mémoire des nombreuses victimes, particulièrement celles qui ont été fauchées le 23 octobre dans la zone de Pont-Sondé, je vous demande de vous lever pour observer une minute du recueillement. L'heure est grave. Le temps est venu de réconcilier la grande nation haïtienne avec elle-même, pour permettre aux générations futures d'échapper aux horreurs de cette brutalité inconcevable. Peuple haïtien, concitoyennes et concitoyens, l'accord du 3 avril 2024 a permis la mise en place du Conseil présidentiel de transition. Il est le résultat de négociations laborieuses, de concessions et d'abnégations de la part des acteurs politiques et de la société civile, pour restaurer la dignité nationale, rétablir la sécurité, garantir la paix et la stabilité dans le pays. Et enfin, boucler cette période de transition par la réalisation d'élections libres, honnêtes et démocratiques. Il nous faut travailler ensemble pour faire face à l'urgence de la situation. Le travail est immense. Nous avons énormément de torts à réparer et d'obstacles à surmonter. Nous ne sommes pas satisfaits parce que jusqu'à présent, nous n'avons pas encore rétabli la sécurité pour la population. Mes collègues et moi-même allons continuer à travailler avec patriotisme et dévouement afin de remplir la mission qui nous a été confiée. Le Conseil présidentiel de transition, le gouvernement, la société civile, toutes les forces vives de la nation devront se mettre ensemble pour contrecarrer celles qui rêvent de nous diviser et de transformer des sœurs et des frères liés par le même destin en ennemis. Le temps est à l'union
Le peuple haïtien est à la croisée des chemins. Il est temps de prouver à la face du monde que cette grande nation est capable de créer les conditions indispensables au renouveau tant espéré. Nous devons gouverner autrement. J'ai le cœur serré de constater les difficultés auxquelles font face mes compatriotes, vivant dans l'insalubrité, incapables de manger à leur faim, d'envoyer leurs enfants à l'école, d'assumer leurs dépenses médicales. Ils sont décapitalisés, déplacés, agressés à l'intérieur et à l'extérieur du pays, arbitrairement déportés. Le peuple haïtien en a assez de la violence, du mensonge, de la corruption et des manœuvres déloyales qui hypothèquent son avenir et celui des générations à venir. Sous ma présidence, le Conseil présidentiel de transition va consolider ses acquis et ses structures pour travailler avec plus de transparence et d'efficacité. Le peuple haïtien a besoin d'espoir et surtout de sécurité pour vaquer librement à ses activités. Il nous faut éviter la confusion, la méfiance, les malentendus, les querelles de chapelle. Nous devons oublier nos intérêts personnels afin de prioriser l'intérêt national. Le rétablissement urgent de la sécurité, la réhabilitation de nos institutions républicaines, l'élection de nouveaux dirigeants et représentants de la population, selon les 5 chantiers de la transition, sont des défis urgents à relever ensemble. Le Conseil présidentiel de transition va s'assurer que la responsabilité de chacun est comprise et assumée. Peuple haïtien, j'en force politique que t'es mis ensemble, il y en a encore 3 avril 2024 là. Je dis à moi de prendre responsabilité de diriger le Conseil présidentiel de transition pour arriver jusqu'à 7 mars 2025. J'ai noté qu'à bagarre la patte facile. Nous remettons en place un exécutif de tête. Nous créons un comité pilotage qui travaille sur la conférence nationale là avec la réforme constitutionnelle. Le Conseil électoral provisoire vient pour l'installer au complet dans un petit bout de temps. Commission justice, vérité et réparation fin mettre en place. Nous gagnons un nouveau chef de la police avec un nouveau état-major de l'armée. Base force multinationale finie. Et puis commencer à recevoir troupes internationales. Budget l'État exercice 2024-2025 validé. Nous commençons à mettre en place programme rentrée scolaire avec assistance pour parents et élèves. Nous recrutons policiers et militaires panne. Nous faisons célébrer reprise travaux judiciaires. Nous allons continuer à progresser. Travail qui était en pile. Nous allons avancer dans la tête collée avec tous les collègues dans harmonie avec Premier ministre là, avec tout membre gouvernement, yo, avec toute force dans le pays, pour nous arriver à un bon résultat, peuple a obtenu depuis longtemps. Ça fait 50 ans depuis que je suis engagé dans le combat politique pays. Je voulais toujours pour Haïti venir un pays côté toute petite lika capable de vivre dans le monde. Ça n'a pas besoin de prendre humiliation de l'autre côté. L'idée n'a pas changé. Le principe n'a pas changé. Objectif n'est pas changé. Il faut qu'il y ait un gros changement dans le pays. Mais ça n'a pas qu'à faire avec violence ni dans le gourmet. C'est dans le dialogue, dans la conférence, dans le parler ensemble, dans le chita tendre, chita parler. Il faut que la sécurité arrête la priorité numéro 1 du gouvernement. Je remercie tous les policiers, tous les militaires, tous les juges. Tout le commissaire gouvernement qui prend responsabilité dans l'État pour continuer à faire travail avec conscience, avec patriotisme, avec honnêteté pour sécurité blaï dans le pays. Je demande à tous les journalistes, leaders religieux, professeurs, directeurs, opinion, pour continuer à faire éducation peuple. Mesdames et messieurs, nous nous mobilisons pour la réussite de la transition. Ensemble, nous irons de l'avant pour rétablir la sécurité, renforcer la police et le système pénitentiaire, créer les conditions pour la réalisation des élections, organiser la conférence nationale et le référendum sur la réforme constitutionnelle, nommer les directeurs généraux, les consuls et ambassadeurs, les dirigeants des collectivités territoriales
pour renforcer et assainir les institutions de l'État, afin de créer et assurer le fonctionnement de toutes les commissions souhaitées par l'accord du 3 avril 2024. En particulier, l'organe de contrôle de l'action gouvernementale, OCAG, et le Conseil national de sécurité, CNS. Je m'engage à consacrer toute mon énergie à la réussite de cette transition que nous réaliserons ensemble pour qu'Haïti retrouve son rang et sa dignité. Ensemble, nous ne pouvons pas échouer. Vive la République, vive Haïti. Merci.